Et coucou mes petits carlins, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour vous présenter un deck assez original qui est joué donc par un joueur du top 10 FR. C'est pas où? Non, c'est pas là, évidemment. C'est par là, tac. Donc Oxtalapia des Darkness Kings qui joue ça. Bon, j'ai pas tout à fait les mêmes cartes que lui, mais on devrait quand même pouvoir s'en sortir à peu près correctement. Parce que le deck est vraiment sympa, il y a le bûcheron dedans, golem bûcheron, ça peut faire un joli petit combo sympa, la sorcière qui combat assez bien avec ça aussi, le poison évidemment, un gogo sans poison, bah c'est comme un géant sans ballon quoi, ça n'existe pas évidemment. Donc voilà, donc on est parti bah pour vous montrer comment ça passe un peu de gameplay, ça fait longtemps que j'avais pas fait de gameplay à niveau légende. Et bah, du coup, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que moi je vois comment est-ce qu'on joue le deck. Évidemment, je vous rappelle que je suis nul à chier, que je vais misplay, tout ça, enfin bref, la base quoi. Donc, c'est parti pour 3 games et on va voir un petit peu comment ça se passe. Bon, c'est le début de saison pour l'instant, hein. J'ai pas encore trop joué, j'ai un peu slack. J'ai surtout joué en tournoi et du coup, j'ai pas eu trop le temps de m'occuper du ladder. Donc, du coup, ça tombe bien, on n'est pas très bien classé pour tester des decks, c'est parfait. Alors, ce qui est important, c'est que le deck coûte relativement cher vu qu'il y a un golem et qu'il n'y a pas de pompe à jus. Donc, c'est un deck, voilà, c'est un deck de pression quand même, malgré tout. Ça peut être aussi un deck de défense, hein, parce qu'il y a à peu près toutes les armes pour défendre, évidemment. Donc là, on va mettre ça. Et si on a la possibilité, on va mettre le bûcheron devant. Voilà. Hop, on va essayer de faire passer le bûcheron. Si le bûcheron peut mourir, bah, ce serait parfait, hein. Parce que du coup, j'aurai le rush, etc. Donc, nous, on va rajouter le poison ici. En bonus de l'bi digital, pas le temps de niaiser, et c'est parti pour l'autoroute du bonheur, qui n'a pas le temps. Avec l'explosion du golem, j'allais dire que ça devrait suffire. D'ailleurs, on va profiter de ça pour mettre ça et ça. Hop, hop, bonjour. On n'a pas le temps, on gratte sa tour, hein. On gratte vraiment sa tour très très fort. Donc là, on se met plutôt bien. Géant royal, on a le canon évidemment pour gérer ça. On va mettre le petit bûcheron dessus aussi parce que le bûcheron ça paraît pas mais ça DPS comme un coquin. Il meurt malheureusement, donc du coup c'est la merde. Encore heureux que nous avons les esprits de feu qui sont là aussi pour faire le boulot. Et il va falloir défendre cette petite mousquetaire. Que, en fait, non, je vais pas le défendre, je vais la laisser taper. Et on a plus que 1352 de dégâts à lui faire à ce tour principal, donc autant vous dire que les trois coucous sont pour nous. Ah, il va avoir beaucoup de mal à défendre, il a déjà vu, on a vu sa première attaque qu'il était un peu surpris parce qu'il se prenait dans la gueule. Un peu trop en fait, c'est ça qui est sympa avec ce deck, c'est qu'il est assez surprenant. On n'a pas l'habitude de rencontrer des decks comme ça. Bon, des golems poison, bon, on en voit, hein, surtout depuis les G-Up du golem. Mais du golem sorcière poison bûcheron, ça c'est déjà un peu plus original. Hop. Alors, on attend les fléchettes, on va aller geler ça. On va poison dans le tas. Hop. Petit esprit de feu, évidemment, pour empêcher tout ça de m'embêter. Le bûcheron, évidemment, pour faire le taf. On remet une sorcière. Et là, c'est parti pour aller casser des culs. Petit esprit de glace. Oh non, ça passe pas. Ça ne passe pas, un petit poison supplémentaire peut-être. À nouveau un poison. À nouveau un bûcheron. Ah, j'aurais peut-être pas mes trois coucous. Hein. Un peu déçu, quoi. Du coup. J'ai peur qu'en 6 secondes ça ne suffise pas. Non, il défend le coquin. Il ne veut pas me laisser mes trois couronnes, espèce de pleutre. Bon, on lui a quand même roulé dessus. Du coup, le deck, ça passe plutôt bien pour la première game. Hop, j'avais testé je crois en stream une fois ce deck là. Ça s'était plutôt bien passé d'ailleurs. On est reparti, on continue. 1-0 pour l'instant. Alors, bon, on a de la chance pour l'instant, on joue contre des niveaux 10. Hein. C'est l'avantage d'être un peu en retard dans le début de saison. De pas avoir trop joué. Alors là, j'ai pas un starter qui me plaît beaucoup. J'ai pas envie de lancer une carte à l'aventure. On va jouer plutôt une option défensive. Voilà, il nous met sa princesse, on va mettre le poison. Ça commence déjà à gratter la tour. Ça tue la sorcière. Princesse, évidemment, mais bon, vous savez que je ne l'aime pas. Ici, donc, on va mettre notre sorcière à nous. Hop. Mais qui est cette fois-ci une vraie sorcière. Petit esprit de feu sur le côté pour aller éclater tout ça gracieusement. Et idéalement, si je peux poser mon gogo,
Je vais pas dire non. On va le mettre évidemment devant la sorcière. Voilà. Okay, malheureusement, on va pas être un grand secours. Alors, le bûcheron, du coup, qui va aller essayer d'aller au secours de mon petit gogo, n'est-ce pas? Bon, ça gratouille, ça gratouille, ça gratouille. Rien de foufou, mais ça gratouille. Alors, on est reparti pour mettre une sorcière. Voilà. Esprit de feu ici pour gérer la princesse. On continue d'utiliser le poison évidemment dès que possible pour gérer les princesses un petit peu, hein, ça fait toujours le taf. Hop. On va mettre un esprit de glace dans ces petits gardes dégueulasses. Voilà. Son poison qui va pas faire un taf monstrueux. Bon, il tue quand même malheureusement mes gargouilles. Elles essaient de s'échapper de cette zone douteuse, mais elles n'ont point réussi, les pauvres bêtes. Et là, on va simplement repartir sur Gogo. Idéalement, le combo, ça commence un petit peu comme on a fait la première game. Balancer d'abord le golem. En plus, avec l'accélérateur de mana, derrière, vous balancez la sorcière. Devant, vous mettez le bûcheron. Et c'est un massacre intempestif. Alors, ça... Hop. Donc, bûcheron, on va le mettre par ici. Donc, le temps qu'il passe devant, on se mette bien, tout simplement. Alors, est-ce que mon esprit de glace va suffire à tuer cette saleté? Non, pas du tout. Voilà, donc là on a un golem sous amphétamine, et un golem sous amphétamine, autant vous dire, que ça pète des culs! Ça pète des culs, ça n'a pas le temps, le remet un évidemment, mode banque de respect. Hop, esprit de feu ici, qui pète la gueule à tout le monde. Formidable. Et du coup, ça va être encore une petite victoire, plutôt tranquille avec ce deck. Assez efficace et sympa. Ok! Ça fait 2-0. Va-t-on réussir enfin? Je dis bien, enfin un 3-0. On ne sait pas, tout est possible. Hop. Allez, 3314, on commence à monter un petit peu en plus, c'est cool. Ok. Alors bon, encore un niveau 10. Donc, normalement, on a encore évidemment l'avantage grâce à la carte bleue, n'est-ce pas? Le célèbre avantage CB. Qui pèse dans le milieu. Alors, un petit coquin. Oups, on va sélection de cartes. Petit esprit de glace là-dessus pour calmer la bouse royale. Décidément, la bouse royale qui a l'air d'être revenue à la mode. Hein. Je pensais qu'elle avait enfin disparu de ce jeu, cette saleté. En fait, pas du tout. Ah, laisse-moi passer, s'il te plaît. Je suis un golem sous en fait. Ah, il nous a zappé les esprits de feu. Ok. Bon, ça met quand même un bon gros dégât. Lui, il va mourir avant d'atteindre la tour, à moins qu'il nous mette un mineur, potentiellement, qui pourrait être relou, mais il va le faire, normalement. On va se contenter de lui mettre une petite sorcière dès qu'il aura pris l'aggro. Ouais, petite sorcière. Allez, petite sorcière. Hop, qu'on va accompagner du bûcheron, d'un esprit de glace, et d'une poison. Alors le poison qui était pas nécessaire. C'était tellement violent en fait. Je suis surpris par la violence du deck en fait. Donc on a un peu du mal. On a toujours le canon pour détourner les saletés. Ça marche pour les cochons. Ça marche pour les saloperies de type géant royal évidemment. Hop. Alors c'était pas fameux mais ça passe. Il ne fait pas très très mal. On a connu plus désagréable. Ok. Ça va pas nous faire trop de dégâts non plus. Même si cette tour a pas été très intelligente, elle pourrait focus lui qui a le moins d'HP quand même. Scandale. Hop. Allez, on est reparti sur le gogo. Donc on va rester sur la gauche. Parce que du coup, ça va aussi inciter l'adversaire à devoir aller par la gauche. Et qui dit adversaire à gauche dit. J'ai de quoi le défendre sur ce côté-là, hein, tout simplement. Hop, on va lui mettre le bûcheron tout de suite. Sur ça, esprit de glace, esprit de feu.
Voilà, la bouse royale, elle va rester tranquille. Le poison, il est là. On va remettre un deuxième bûcheron. Bûcheron qui est devenu la carte la plus cheatée du jeu, comme si vous étiez viviez dans une grotte. Hein. Évidemment, le bûcheron, c'est un tout petit peu trop fort. Voilà, ça pète des culs. Ça, on va l'arrêter tranquillement. Et oh, du coup, on lui reset son aggro au passage. Et tout se passe plutôt bien. Oh, le coquin! Petit coquinou! Non mais dis donc! T'as cru que c'était la taf, mon gars? Tu vas pas t'en sortir comme ça, hein, moi je te le dis. Hein. Moi je te tue au poison, bah les couilles. Hein. Moi j'ai pas d'âme. Je n'ai pas d'âme! Viens manger tes trois coucous, toi. Je l'ai pas tué au poison. Je l'ai tué au bûcheron. Bon bah voilà. C'était bien par une victoire. Alors du coup, je ne sais même pas si j'en suis à 2-0 ou 3-0, tellement ça va vite, n'est-ce pas? Tac 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 tac. Parce que j'avais testé le deck une game avant. J'ai gagné 3-1. Ouais, c'est ça. Ouais, ça c'était le tournoi. Du coup, derrière 1-0, 1-0 et 3-1. Donc, du coup, on a fait le 3-0 et 1 et 2 et 3-0. Enfin, le premier, je crois, depuis que je vous présente des decks en vidéo. C'est là, comme je vous dis, en fait, je devrais attendre d'être bas en début de saison pour pouvoir enchaîner les wins et tout, c'est agréable. Donc voilà, bah, du coup, je vous fais des bisous. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo, évidemment. Vous savez, servir à peu près tous les jours. Parce que maintenant, j'essaye de sortir une vidéo par jour. J'espère que ce deck vous a plu, le petit deck d'Oxtalapia des amis de chez Darkness Kings. Donc voilà, je vous invite à le tester parce qu'il est vraiment cool. Je vous fais plein de bisous à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.